Ça y est, c'est bon, on m'entend, me voit. Ça y est, c'est bon, Oui, ok. Martin. Oui, Martin. Merci mon cher ami Julien qui ce soir n'est pas avec moi en plateau, qui est en régie. Donc du coup, je suis tout seul sur plateau, donc je me permets de retirer mon masque. Ok, alors bonsoir à tous, bienvenue sur la Web TV du PST Cap Nord-Est. Nous sommes le vendredi et le vendredi, c'est Web TV. Donc ce soir, donc je suis de retour après une petite semaine, voilà. De petits problèmes personnels. Je suis de retour pour faire les journaux télévisés. Donc ce soir en ma compagnie, il y aura Florentin ainsi que Julien à la technique. Et puis bah, moi à la présentation. Lali n'est pas là et Sofiane ne peut pas venir, effectivement, car il a des petits soucis. Bref. Ce soir, on a pas mal d'infos à vous passer. Donc des infos sur le territoire qui vont se passer très prochainement, qui vont se passer peut-être plus tard dans le mois de janvier. Il y a même quelques trucs qui vont se passer pendant les vacances, je crois. Donc au programme, on a des infos sur le point jeune, des infos sur le territoire, que ce soit au petit café de pays, au PST ou sur la commune de Gravigny. Donc on va du coup commencer par le club lecture qui va se faire au petit café de pays de Saint-Germain-des-Angles dans l'ancienne école, qui a été rénové, comme l'avait dit Julien la semaine dernière. Voilà, vous avez la magnifique affiche, waouh! Donc ce sera du coup le mercredi 19 janvier à partir de 17h30, donc au petit café de pays, rue de Liton. Donc venez nombreux, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Donc vous pourrez nous présenter vos livres coup de cœur que vous avez pu recevoir du coup pendant vos petites vacances de Noël, en espérant que vous avez eu de très beaux ouvrages. On va continuer du coup par les ateliers enfants-parents qui vont se faire à la Maison des Solidarités ou à la salle de danse, voilà, comme dans les habitudes. Donc vous avez la Baby Gym le 15 et le 29 janvier, donc c'est pour les 1 à 3 ans. Donc ça, ce sera à la salle d'activité à Gravigny. Voilà, donc c'est 2 ou 3 euros par enfant. Je voudrais avoir la... 3 euros, ok, merci Julien pour la confirmation de ce tarif. Nous avons aussi également une activité manuelle, une balade en forêt les 15 et 29 janvier, également pour les 3 à 6 ans. Donc ce sera en extérieur, donc de 10 ans, voilà. Pour les jeux et échecs? Ouais, échecs. Les 19, alors ce coup-ci, c'est les 19 et le 19 janvier et le 2 février, je vais y arriver, pour les 7 à 10 ans. Et c'est alors de 14h30 à 16h, et ça ce sera à la Maison des Solidarités. Voilà. Donc, bah tiens, tant que nous sommes à la Maison des Solidarités, on va continuer avec les Mardis Nature qui reprennent du coup pour cette année 2022. Donc, ce sera aujourd'hui ce mois-ci sur le thème des oiseaux de la nature en hiver. Donc, c'est à 20h, et donc ce sera à la Maison des Solidarités. Donc, c'est avec l'association Naturellement Reuilly. Vous avez, je viens de le voir, une petite appli, je viens de découvrir ça aussi, une appli pour commenter les repas de la cantine qui sont consommés par les enfants ainsi que les ados de Gravigny. Donc l'application, voilà, ça marche avec Appy, donc vous pouvez vous connecter, que ce soit sur smartphone ou sur ordinateur portable. Donc je pense que vous pouvez faire beaucoup de choses, donc décrire si vos enfants ont aimé ou pas. Le repas qu'il leur est proposé. Donc, j'avoue que moi, quand j'y mangeais, j'étais très satisfait. Je ne sais pas si Florentin l'est. À sa tête, je ne pense pas. Mais, mais il l'est. Voilà. Tout le monde dit que c'est satisfaisant. Allez, un petit peu de sérieux. On reprend. Donc, vous avez encore quelques jours. Donc, dépêchez-vous si vous habitez sur les communes de l'EPN, d'Evreport de Normandie. Vous avez un vidéo challenge qui a été créé par l'agglomération pour les 15-25 ans. Donc, soit vous pouvez faire un sujet sur ma pire galère, donc vos soucis en particulier, ou mon pur kiff, les choses que vous adorez énormément faire. Donc, il vous reste que quelques jours pour envoyer vos candidatures. Donc, pour ceci, vous allez avoir plus d'informations sur le site ou sur le Facebook de l'agglo. En continuant, on a une benne Idévêque qui a été installée à la chapelle du Bois des Fauves. Donc, si vous habitez sur cette commune, vous avez une benne, voilà, pour mettre vos vêtements ou voilà, que vous voulez donner, que vous n'utilisez plus, vous les mettez dans cette boîte et l'association viendra les récupérer
pour les remettre en vente à la boutique qui se situe sur la zone de la Madeleine. Une épicerie mobile. Alors ça s'appelle comment? Ludy? Ouais, ça s'appelle Ludy. Merci Julien. Sur le Boulay-Morin, donc c'est présent le mercredi et le vendredi. Alors est-ce qu'il y a les horaires? D'accord, ok, merci Julien. Donc au lotissement des Tilleuls, sur les créneaux des 17h30, 18h. Pendant une petite heure, à peu près. Voilà. Ensuite, en huitième information, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'infos ce soir, on retourne sur. Ah non. On reste sur Gravi, on revient sur Gravigny. Parce que oui, on était parti au Boulay-Morin, maintenant on revient sur Gravigny. Le studio 416, voilà, qui se situe juste à côté du collège, fera une porte ouverte du 11 janvier, donc actuellement jusqu'à dimanche. Donc vous pouvez essayer de venir essayer les cours. Donc c'est voilà, donc c'est gratuit, je crois. Et voilà, donc le dimanche 16 janvier, le stage sera offert, donc de 13h30 à 15h30, comme vous pouvez le voir sur le programme, vous mettrez pause. Vous avez plein de petites choses sympathiques, j'ai cru entreapercevoir de la Zumba, de la danse, du modern jazz, des choses comme ça. Voilà, Zumba, step, danse moderne, aérodance pendant 1 heure, et ça, c'est super sympathique. On retourne à Saint-Germain. Après les infos sur le petit café de pays, on a l'usine à Zabu. Donc un petit concert à l'usine, donc à Saint-Germain-des-Angles, sur du polk blue jazz, qui se fera le samedi 22 janvier à partir de 20h. Donc je ne sais pas s'il faut le passe sanitaire. Sûrement, donc voilà, donc prévoyez votre passe sanitaire et votre masque, qui sera, je pense, obligatoire, pour pouvoir assister à cet événement qui doit être, je pense, fort sympathique au niveau de l'audition. Au niveau du coup des infos point jeune. Donc le samedi, il y aura sur certains samedis où il y aura des matchs de volley qui seront proposés pour vos ados qu'ils aillent le voir à la salle omnisports. Donc ça, les dates seront communiquées sur le Facebook du point jeune. Dimanche, stage fitness, donc ça c'est bon. Alors je regarde, excusez-moi. Alors, pendant les vacances, lundi, mardi après-midi, entraînement hard pour le tournoi Interpage, voilà, de jeudi 10 à Gravigny. Bon, je sais pas, c'est quoi. Remise en jeu. Ah oui, parce que je pense qu'il y a dû y avoir un match et qu'il y a eu un petit quiproquo. Donc du coup, ils remettent le trophée en jeu pour savoir qui gagne vraiment la coupe. Je pense que ça doit être une chose comme ça. Ah d'accord, bon bah, voilà, j'ai confirmation de Florentin que le trophée pendant chaque pendant à chaque vacances sera remis en jeu. Il y a toujours le projet Europe. Alors le J'enchaîne, bref, j'ai cru voir une photo de moi passer, mais bon, c'est pas grave. Le projet jeune, donc ils sont toujours en recherche, et donc ils sont en recherche de l'eau. Alors pourquoi ils sont en recherche de l'eau? Car en fait, pour financer ce projet européen, les jeunes du centre d'ado feront un loto, voilà, au profit de leur projet le 20 mars. Donc ce sera où, quand? Enfin, la date on l'a, mais où et à quelle heure? Le loto, ce Oui. sera salle Gérard Philippe le D'accord. 20 mars. Oui, la salle, d'accord, j'avais la date, mais j'avais pas l'endroit. Et l'heure, est-ce que tu l'as, Florentin? Il n'y a pas encore d'heure, donc ce sera sûrement le soir, on va se dire vers 18h30, 20h à peu près. Une petite marge comme ça, on va donner une grande marge. Mais on en reviendra quand ce sera le moment. Et je viens de voir qu'il nous restait 3 places pour la Grèce. Pour ce séjour. Waouh, magnifique. C'est beau ça. Voilà. Voilà, vous avez le droit. Voilà, il m'affiche. Hein, je ne suis pas en régie ce soir. Il m'affiche pour mon retour. Voilà. Non, parce que. Non, allez, revenons-en avec un petit peu de sérieux. Bah voilà, je voulais parler aussi un petit peu de gaming, voilà, un peu de perso, parce que je sais que je vais essayer de reprendre sur ma chaîne personnelle des petits lives sur Twitch. Et il y a un petit streamer que je connais bien, qui s'appelle TeamGee, qui, je sais, regarde ce petit live. Donc je fais ta petite pub pour ta chaîne Twitch, voilà, TeamGee. Donc je vous donnerai le lien sur mes réseaux personnels. Et il a sorti aussi un album Cosmic qui est en édition ultra limitée. Voilà, que vous pourrez avoir en format CD. Enfin bref, voilà, Florentin qui dit des bêtises en régie. Est-ce qu'on a une bêtise à faire ce soir?
Ah bon, ça sent en fait. Non, Ah, c'était pour mon retour ou vous avez rien prévu? Oh, c'est pas gentil ça. Oh. Ah si, je viens de Ah, découvrir ça qu'on va. avait. De quoi? Attends. Je viens de découvrir qu'on avait une nouvelle carte. On a un nouveau décor. Il y a des choses, il y a des choses qui ont été rajoutées. Alors, vous voyez, vous avez la petite maison là. Non mais. Si on a trouvé les métis. Ah, ils ont. J'en ai marre. Bon, je pense qu'on va vite clôturer ce stream, hein, cette émission. Cette émission, donc, du vendredi. On est le combien? 14 janvier. Non, mais pourquoi ils ont mis ma tête? J'en ai marre. Le 14 janvier 2000. Oh! Confetti! Non, allez, avec un peu de sérieux. Donc, on vous dit avec Julien, Florentin et moi-même, et Jazz, du coup, qui est là ce soir aussi. Voilà. On vous dit à la semaine prochaine. Donc, vous pouvez toujours nous rajouter sur nos réseaux. Donc, Web TV Cap Nord-Est sur Facebook. Insta Web TV Cap Nord-Est, tout collé sur Instagram. Donc, vous pourrez avoir toutes nos stories. Et puis, vous pouvez, du coup, revoir cette émission en temps réel, quand vous voulez, quand vous pouvez. Voilà, je vais remettre mon masque parce qu'on a du monde qui arrive en studio. Voilà. On a Julien qui arrive en studio avec Jazz. Voilà. Donc, on vous souhaite à tous une bonne soirée et on vous dit à vendredi prochain pour vendredi, car le vendredi, c'est Web TV. Salut! Salut!